Et salut tout le monde, c'est Dantom Gamer, j'espère que vous allez bien. Allez, mais vous savez quoi, on va continuer un petit peu ce mode histoire, parce que j'ai envie un petit peu de voir ce que ça va donner avec la fin du combat de Cell. Et du coup, voilà, il nous a dit ça marchera pas comme ça cette fois-ci, ou ça se passera pas comme ça cette fois-ci. Et bien, c'est ce qu'on va voir et on va continuer ce combat. Allons-y. Et bien putain, l'enfoiré, j'avais mis pause 1, et il attaque fort. Allons-y. Allez, on va essayer de le bouffer cet enfoiré là. On croyait qu'il était crevé, mais en fait non quoi. Allez, impec. Oh putain, mais il est à côté de moi en plus. Allez, prends-toi ma grosse boule. Ah non, j'ai fait le deuxième pouvoir. Je pensais que j'avais fait la boule quoi. Bon ben là, il a l'air de se faire plutôt manger comme il faut. Voilà, c'est ma boule là. Ah non. Pourquoi il me fait pas la boule? Pourtant il me semble bien faire le mouvement de la boule quoi. Oh l'enfoiré. Allez. Allez, allez, allez. Bon, normalement l'ordinateur, il n'y a pas besoin de trop appuyer quand même, ça va. Allez, bouffe ça. Ah merde, il était trop loin. Parce qu'on peut faire des grosses boules comme ça. C'est plutôt bon. On va passer de l'autre côté. Allez. Ah, mais voilà ma boule. C'est ça que je voulais. Putain, il fait que rétorquer, quoi. Allez, bon là il est... Ah, il s'est protégé quand même. Ah, il est plutôt mort là. Ah, il est mort là. Allez, ciao. Oh putain, il a sauté. Ciao. Ah, il saute, hein, regardez-le. Ciao. Ah, c'est bon. On l'a eu. Allez, Cell, qu'est-ce que t'en penses de ça? T'as quelque chose à dire, hein? Tout est fini maintenant. Ainsi s'achèvent les jeux. Les Z reprenaient leur vie, pensant à Goku. Ok, allez, on attaque le deuxième scénario, le pirate. Donc vous avez vu, on n'a pas vu quand Gohan fait le Kamehameha avec Goku, puisqu'on a pris une histoire un petit peu différente avec Trunks. Si on prend Gohan, effectivement, l'histoire est quand même beaucoup plus intéressante au niveau de celle. Allez, on attaque un petit peu les pirates, donc qui sont tirés voilà, des OAV, et pas OVA comme j'avais dit dans ma présentation, les OAV, donc avec... ben on va voir qui c'est déjà. Trunks était revenu dans cette époque pour dire qu'il a battu le robot futur. On m'a dit que Norsk est détruite, Trunks. C'est vrai, mais... Cell est mort. Qui ose? Zut. Mais attends, cette blessure... Ferme-la. Enfin, à qui? C'est Namek de malheur. Il regrettera. Piccolo? Hein? Mais pourquoi? Je m'en fous. Moi, par un type pareil, quoi. Bon, ben, je vais le voir pour lui demander. D'accord. Donc, on doit choisir où on va. Soit on va dans Norsk ou autre monde. On va prendre le premier itinéraire pour voir ce que ça donne. Un type pareil à Piccolo. Il détruit ville sur ville avec son bras. D'accord. Si je retourne à Norsk, ça fait quoi? Ça sert à rien d'y aller. Tu es con ou tu le fais exprès? Allez, autre monde. Que puis-je faire pour toi, Twix? Est-ce que Piccolo est là?
J'ai pas vu Popo depuis longtemps. Et désolé, il faut que j'aille me remettre du rouge à lèvres. Hein? Trunks a décidé d'y retourner. Ce Namek me cherchait des crosses. Il est hors de Westbeck, on y va. Mais d'habitude, Père s'en va tout seul. C'est vrai. Non mais ferme-la. Qu'est-ce que tu racontes? Alors vas-tu avec Vegeta? Bah écoute, oui pourquoi pas. Allez papa, je te suis. Oh, ma battre? Mais pourquoi Trunks? Qu'est-ce que tu mijotes toi? Une dispute pareille, ça sert à rien. Montre-lui la force Saiyan, Trunks. Ta mère veut des guili, donc du coup, je m'en vais. Ben, merci, papa. Ok, donc là, on voit qu'il y a une espèce d'histoire où apparemment, on croit que c'est Piccolo qui peut-être est en train de foutre un petit peu la zizanie dans les... Oh putain, il m'avait jeté le truc qui est à tête chercheuse. Et du coup, voilà, les pirates, c'est avec Bojack et Zangia, ouais. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qui se trame. Ah ben Piccolo, tu perds pas du temps quoi, hein. Oh l'enfoiré, dit. Putain, j'ai pas pu lui rétorquer. Allez, on va attaquer nous aussi. Allez, prends ça Piccolo. Eh, pas mal. Allez. Ah putain, j'ai déjà pas mal d'énergie de perdu par rapport à lui. J'espère qu'il va en perdre là. Ouais, cool. Allez, qu'est-ce que tu donnes Piccolo? Un petit peu un combat rapproché. Allez, bouffe. Ah, il me suit, hein. Allez, on va essayer de l'achever. Ouh, Piccolo, mais t'as l'air un petit peu épuisé, vite. Faut en profiter, merde, j'ai raté. Parce qu'en fait, quand ils sont épuisés, si vous faites un pouvoir, et qu'ils ont eu pas le temps de revenir à eux, et eh ben voilà, ils sont encore dans les vapes pendant que le pouvoir se fait. Bon, ben là, je pense qu'il est mort, hein. À moins qu'il me fasse une flamme. Ah, il rétorque. Bon, il va crever. Tu vas crever, Piccolo. Elle enflure. Même pas quoi. Bon allez, on le finit comme ça. C'est fini, tranquillou. Allez, ciao Piccolo. Oh bah putain. Ça va, tranquille quoi. Et là tu dis quoi? Pouf. Allez, ciao. M'a blessé, tu le paieras. Bravo Trunks et tiens, prends ça, meurs. Aïe, mais père, pourquoi? Tant pis pour toi, et tu sais quoi, je suis un faux. Quoi? Oh, je suis sûr que t'as jamais vu des cheveux roux aussi beaux. Toi, tomber si facilement. Qui es-tu? Je suis Aki, le pirate. Je prends l'étoile. Pas tout pigé, là. Oh mon dieu, les pirates! Tu les connais, gardien? Ce sont les survivants Terra! Les gardiens des quatre voies L ont scellé! Mais la cire a fondu à ma mort, à cause d'un petit con d'ailleurs. Mais il y a Trunks sur la Terre. Ouais. J'étais brouillé avec mes clones. Je ne m'en doutais pas. Bah oui, les Saiyans, on est un petit peu blancs des fois.
Maintenant, tu vas mourir. Ok, mais je me rappelais plus qu'en fait c'était des clones. Et remarquez, il y a très longtemps que je l'ai vu, le l'OAV avec les pirates. Hein, mais voilà, apparemment, voilà, elle apparemment elle est un petit peu comme une mystique, quoi, de X-Men, quoi. Putain, mais il me suit son disque, con. Putain, il m'a eu quand même. Hein. Putain, Dylan, oh l'enfoiré. M'a saoulé, quoi. Allez, là tu m'as gonflé là. Oh putain, il va être dur celui-là. Ah putain, oh putain. Vous voyez, ah, pas facile à mon avis à faire du combat encore à corps avec, quoi. Elle va me bouffer la salope. Je le sens. Là ça va devenir un petit peu coton. Allez, un Big Bang attaque. Oh, super, on a réussi à le faire. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Tout à l'heure, je l'avais fait, ça n'avait pas marché. Hein. Ah, ah, c'est pas mal. On va essayer de rattraper un petit peu l'énergie. Oh, con, un chêne, quoi. Mais... Allez hop, on va lui renvoyer encore. Tant qu'on peut, on en profite. Hein. Ah, il s'est protégé, putain. Oh con, putain, il enchaîne. Hein. Allez, ça va être combat de super pouvoir, quoi. Merde. Oh le con, putain. Comme je me suis fait avoir. Allez, à mon tour maintenant. Putain, j'ai pas intérêt à me louper. Hein. Là, il va rétorquer, bien sûr. Forcément. Allez. Putain, là, ça va être chaud, là. Ouh, c'était chaud. Allez, vite, enchaînons. Qu'il a pas trop de ki. Ah, j'espère que tu vas bien te le prendre à la gueule pour crever. Ouh, eh ben c'était chaud les enfants. Mais bon, on a réussi. Mmh, il est pas nul. Abat-le maintenant. Ok, bon ben apparemment on a... un deuxième protagoniste à Baleu, donc apparemment c'est un clone de Sangwan, je suppose. Allez, on va arrêter cet épisode-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à regarder mes précédents épisodes sur Dragon Ball Z ou mes autres vidéos. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de TomTomGamer. Ciao, ciao!